Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer le calculateur HP 9100 de 1968. Cette machine, d'un poids d'environ 20 kg, fait partie des premières calculatrices programmables de bureau. Elle est fabriquée à partir de diodes et de transistors, mais ne possède aucun circuit intégré, c'est-à-dire aucune puce électronique. L'écran possède trois lignes d'affichage, correspondant aux trois registres X, Y, Z, Puisque cette machine travaille en notation polonaise inverse. Il y a ici un lecteur et enregistreur de cartes magnétiques, et on pouvait acheter une imprimante qui se fixait au-dessus de la machine. Il y avait également d'autres options, comme une mémoire étendue pour augmenter le nombre de registres, le nombre de pas de programme, un lecteur de bande, une table traçante et un moniteur d'affichage. Sur ces deux images extraites d'une vidéo dont vous trouverez le lien en commentaire, on voit le lecteur de carte optique, nous y reviendrons tout à l'heure, l'imprimante, la table traçante et derrière un moniteur sur lequel on va retrouver les trois lignes d'affichage de l'écran de la machine. Alors voici une photo du clavier tirée du site hpmuseum.org où l'on voit à gauche les touches liées aux mathématiques, sinus, cosinus, exponentielle, logarithme, hyperbolique et les fonctions arcsinus, arcosinus, etc. Nous avons la partie consacrée à la pile et aux mémoires. On retrouve des touches classiques comme inverser le registre x et y, faire tourner la pile vers le bas ou vers le haut. La troisième partie correspond au calcul arithmétique. On peut effacer le registre x changer de signe et entrer des exposants comme nous allons le voir dans un instant et la partie droite pour la programmation. Donc ici nous avons le HP 9100B où il y a cette touche pour pouvoir définir des sous-programmes, cette touche n'existant pas sur le 9100A qui a une seule touche continuer à ce niveau-là. On voit qu'il existe différents tests, un go-to, pause, stop fin du programme, exécuter le programme pas à pas, une notion de drapeau et FMT permettra de dialoguer, par exemple, avec la table traçante. Tout en haut, on peut régler la machine en degrés ou en radians, nombre flottant ou en fixant le nombre de décimales, allumer ou éteindre la machine, mode programme ou mode run. Et à droite, une molette pour définir le nombre de décimales en haut, on voit la partie où on peut insérer une carte magnétique, enregistrer le programme sur cette carte ou le charger. Donc je vais utiliser un simulateur dont je vous mettrai également le lien sous la vidéo. Il y a 10 chiffres à l'affichage, 12 pour les calculs en interne et on peut donc afficher les nombres en virgule flottante ou avec un nombre fixe de décimales. Donc si je me mets en virgule flottante, et que je tape 2300, on voit qu'il a utilisé la notation scientifique, donc 2,3 fois 10 puissance 3. Donc je vais effacer le registre X qui correspond à la ligne du bas. Alors maintenant pour entrer le nombre 10 puissance moins 6, je vais utiliser Entrée Exposant, 6, et je change de signe. Donc le raccourci clavier, c'est Shift K. Et on a 10 puissance moins 6. Dernier calcul, pi moins 22 sur 7, donc pi est ici. Je peux travailler avec un nombre fixe de décimales, et j'utilise la molette pour diminuer ou augmenter le nombre de décimales. Comme je travaille en notation polonaise inverse, il faut que j'utilise la pile. donc Je vais faire entrée, 22, entrée, 7, diviser et remarquez que contrairement aux calculatrices HP plus récentes, le résultat ne s'affiche pas dans le registre X mais dans le registre Y. En appuyant sur cette touche, Z et Y descendent d'une rangée et le Z précédent est conservé. Donc on a dupliqué la valeur qui était en haut. Je peux maintenant faire la soustraction et à nouveau le résultat est en Y effectuons maintenant un calcul trigonométrique par exemple sinus 45 et sinus pi sur 4 donc je suis en degrés je tape 45 et ensuite sinus ce qui fait 0707 je peux me mettre en radian pi entrée 4 divisé le résultat est en y donc je peux soit inverser le x et le y ou à nouveau descendre tous les éléments de la pile. Sinus et je retrouve 0707. On peut également effectuer des sommes ou des soustractions pour des couples de nombres, donc faire du calcul vectoriel. Donc je vais effacer tous les registres en appuyant sur clear, donc c'est la touche K du clavier. Ensuite, je vais rentrer ce vecteur, donc je vais commencer par le Y que je change de signe, entrée, 2 et je vais appuyer sur ACC, plus, qui est donc l'accumulateur. Ensuite, je vais passer au deuxième vecteur, 4, entrée 3, et je l'ajoute également à l'accumulateur. Si je rappelle avec RCL l'accumulateur, je trouve bien 5 et 1. En fait, ce sont les registres E et F qui sont utilisés. Si j'appelle E, j'ai 1. Si j'appelle F, j'ai 5. Il y a 16 registres. Pour le HP 9100A et 32 registres pour le HP 9100B. Donc on utilise X vers un des registres ou alors Y vers un des registres, ces registres étant une lettre entre A et F ou un chiffre entre 0 et 9. Donc par exemple, je vais taper 45 que je vais enregistrer dans la mémoire B. Donc j'efface x et si j'appuie sur b, je retrouve le 4. De la même façon, je peux taper 100 que je vais mettre vers la mémoire 0. J'efface et je demande à mettre dans x le contenu du registre 0 et je retrouve 100. On peut également mémoriser le registre y vers une des mémoires ou échanger y avec une des mémoires alors créons un premier petit programme qui va calculer l'aire d'un disque, donc pi fois le rayon fois le rayon. Sur la machine version A, le numéro du pas et le code de la touche seront affichés uniquement sur la ligne du X. Et dans la version B, donc celle du simulateur, on aura des informations à la fois sur la ligne X et Z. L'autre différence entre les deux machines est le nombre de pas de programme, qui est de 196... Pour la version A et 392 pour la version B. On pouvait également acheter une extension de mémoire pour passer à plus de 3000 pas. Alors imaginons que l'utilisateur entre le nombre 10, qui va être dans le registre X. On va faire Enter pour le dupliquer et le mettre également dans le registre Y. Ensuite, on va faire la multiplication, 10 fois 10. Et on aura 100 dans le registre y, x ne bougeant pas, puisque le résultat est affiché dans y. Ensuite, on va prendre pi et faire la multiplication des deux. Dans le registre y, j'aurai 100 fois pi. On arrête le programme ou éventuellement on inverse le registre x et y. Pour être sûr d'écrire le programme au pas 0, je vais faire goto 00. Donc le raccourci c'est G00. Je suis au pas 0, je passe en mode programme. Les numéros des pas, donc on voit 0.0, 0.1, 0.2, etc., sont composés à partir des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à D. Donc sur la version A, on peut aller jusqu'au pas D.d. .D. Pour que ce soit plus clair, je vous montre ce qu'il y a actuellement en mémoire. Donc on voit plus 0.0. Jusqu'à plus d.d, D. et ensuite on a à nouveau les pas 0.0, mais avec un moins. Alors je rentre le programme, donc là je peux faire Enter, multiplier, Pi, multiplier, End. Je me mets en mode Run, je retourne au pas 0, donc GoTo00, je peux par exemple appuyer sur List, ce qui imprime les quatre pas sans le end. Donc je peux demander à voir le listing 27 36 56 36 36 correspondant à la multiplication. Si je tape 10 et continuer pour lancer le programme, j'obtiens le résultat dans le registre Y qui est 3,14 par 10 puissance 2, ce qui donne bien 314. Alors voici la liste des codes des différentes touches. Donc, on a le entrée, multiplié, pi, multiplié, et la fin du programme, avec les différents codes. Alors, nous allons voir un deuxième programme qui va permettre de faire des calculs sur les nombres complexes, les additionner ou les multiplier. Donc voici un nombre complexe, 2 plus 3i, où i est un symbole, tel qu'en le mettant au carré, ça me donne moins 1. Donc, faire la somme de deux nombres complexes, c'est très facile. Il suffit de faire 2 plus 3 et 3 plus 4. On va donc obtenir 5 plus 7i. Donc pour l'addition, ça va être simple, puisqu'on va pouvoir utiliser des vecteurs, dire que c'est le vecteur 2, 3, plus le vecteur 3, 4, qui donnera bien le vecteur 5, 7. Alors j'efface tous les registres avec Clear, ce qui permet entre autres d'effacer les registres E et F. Je vais mettre 3, entrée, 2, et l'ajouter à l'accumulateur. Ensuite 4 entrée 3 et à nouveau l'ajouter à l'accumulateur. Donc si je rappelle l'accumulateur avec RCL, j'obtiens bien 5 et 7. Alors maintenant, quelque chose de plus compliqué, comment faire le produit de deux nombres complexes Donc si déjà on le fait à la main, il faut donc faire 2 x 3, 2 x 4, 3i fois 3, 3i x 4i, sachant que i au carré vaut moins 1 on obtient 6 plus 8i plus 9i moins 12, il fera moins 6 plus 17i. Donc l'astuce pour pouvoir faire une multiplication va être d'écrire les deux nombres complexes sous leur forme trigonométrique. Alors qu'est-ce que ça signifie Eh bien par exemple le nombre complexe 2, 3, donc qui a comme abscisse 2 et comme ordonnée 3, on peut aussi le représenter à partir d'un angle et d'une certaine distance c'est ce que l'on appelle la forme trigonométrique, ou la forme polaire. Et sur le calculateur HP9100, il y a une touche pour convertir en polaire. Donc on va convertir nos deux nombres complexes, et la multiplication des deux, ce sera la multiplication de R1 par R2, et la somme de θ1 et θ2. Donc ça, on voit qu'avec l'accumulateur, ça sera facile de faire la somme des deux angles. Mais il reste encore une multiplication. Donc autre astuce, ça va être d'utiliser les logarithmes, puisque le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc si on passe par le logarithme, on va pouvoir les additionner, toujours avec l'accumulateur, et ensuite on prendra l'exponentielle. Donc voici les étapes que l'on va programmer. On va effacer tous les registres. On va demander à l'utilisateur de taper Z1 c'est-à-dire 2 et 3 pour le premier nombre. Ensuite, la machine va convertir ce vecteur en polaire, donc on aura R1 et l'angle θ1. On prend le logarithme, c'est-à-dire le logarithme de R1, et on l'ajoute à l'accumulateur. Ensuite, on demande à l'utilisateur Z2, qui va taper partie réelle, partie imaginaire, on le met en polaire, donc on aura R2 et θ2, on applique le log et on l'ajoute à l'accumulateur. Donc dans l'accumulateur, j'aurai θ1 plus θ2 et log de R1 plus log de R2. Donc j'aurai la partie qui est là. Ensuite, on va rappeler ce qu'il y a dans l'accumulateur, exponentiel, donc ce sera bien l'exponentiel de tout ça, et inversement, on remet le R et le θ sous forme rectangulaire pour récupérer les coordonnées. Alors c'est parti, on doit effacer tous les registres et on arrête le programme pour que l'utilisateur puisse entrer le x et le y. Ensuite, on convertit ce xy en coordonnées polaires, on prend le logarithme et on l'ajoute à l'accumulateur. On s'arrête, l'utilisateur entre le deuxième nombre complexe que l'on convertit en polaire, logarithme. On ajoute à l'accumulateur. On rappelle l'accumulateur qui contient donc le log de R1 plus le log de R2 et θ1 plus θ2. On prend l'exponentielle de ce terme-là et on repasse en coordonnées rectangulaires. Le programme est terminé. Donc sa traduction en code sera 20 pour clear, 41 pour stop, jusqu'à 66 pour la conversion. En coordonnées rectangulaires. Donc pour écrire ce programme avec le simulateur, plusieurs possibilités. Soit on retourne en goto 00, programme, et on tape les différentes commandes, c'est-à-dire clear, stop, etc. Autre solution, c'est clic droit, voir le programme qu'il y a en mémoire. Donc là, je retrouve le clear et le stop que j'ai tapé, et de continuer en tapant dans les différentes cases. Donc, tout polar, on voit apparaître le code 62. Si vous faites une faute de frappe, par exemple LNNX, il le met en rouge pour dire qu'il ne comprend pas. Donc log de X, accumulateur plus, stop, exponentielle, coordonnées rectangulaires, et j'arrête le programme. Ensuite, je peux sauvegarder ce programme au format texte sur mon ordinateur. Je peux l'envoyer vers la mémoire de la machine. Donc ça va écraser ce qu'il y avait actuellement. Et on va également sauvegarder ce programme comme une carte optique. Alors on va voir ce que c'est. Je vais l'appeler Complexe. Et je vais lui donner comme nom Complexe également. Alors pour tester le programme, je fais Goto00 je le lance. Donc là, il a effacé tous les registres qui correspondent. L'instruction clear. Il attend que je rentre le premier nombre complexe. Donc je vais commencer par partie imaginaire, partie réelle. Donc 3, entrée 2, continuer. Donc je vois apparaître deux nombres qui correspondent à R et θ, sachant qu'ici je suis en radian. Ensuite, je tape le deuxième nombre complexe, 4, 3, continuer. Et je vois le résultat moins 6, 17, donc partie réelle, partie imaginaire. Alors je vais remettre la machine à zéro. Donc si je fais clic droit, voir le programme, il n'y a plus rien. Alors maintenant je vais charger ce programme en utilisant la carte optique que j'ai créée tout à l'heure. Donc si je fais un clic droit et que je demande à voir l'éditeur de carte optique, c'est tout simplement un carton avec des cases que l'on peut mettre en noir avec un crayon. Donc vous voyez 40, 20, 10 qui correspondent au code des différentes commandes. Alors je vais charger donc, tous les fichiers, celui que j'ai créé tout à l'heure, complexe. Donc pour la première ligne, il n'y a qu'une seule zone qui a été mise en noir, c'est le numéro 20, 20 correspondant à clear. 41 correspondant à stop, jusqu'au end. Alors attention à ne pas confondre les cartes optique avec les cartes magnétiques. Donc là pour lire une carte optique, il fallait acheter un périphérique supplémentaire que l'on a ici qui est donc un lecteur de cartes optiques. Ensuite je vais charger ma carte. Je peux faire clic droit, charger, je récupère la carte, je vois marquer 1 ici, et je peux la lire. Donc comme je suis au pas 0, il va traduire la carte à partir du pas numéro 0. Donc je me remets en mode run, go to 00 et à nouveau si je fais run, 3 2 continuer, 4 3 continuer. Je retrouve le moins -6 et le 17. Je vais enlever ce périphérique. Alors pour terminer cette première partie, voyons une première version du programme Syracuse donc en un nombre et pair, on le divise par 2, quand il est impair, on le multiplie par 3, on ajoute 1. Donc on va partir de cette carte optique où j'ai déjà entré un programme. Donc on peut imaginer à l'époque des étudiants en sciences qui avaient comme exercice de rédiger sur une carte de ce type un exercice. Alors voici sa traduction Shift up, c'est-à-dire la flèche vers le haut, donc entrée, 2 divisé, Entrée, Shift Down, donc la flèche vers le bas, 6 multiplié, 1 additionné. Ensuite, Shift Down, Roll donc pour faire tourner le Z, le Y, le X, partie entière, et en dessous un test. Alors un mot sur les tests. Lorsque le test est vrai, il va faire les deux lignes qui sont en dessous, et pas uniquement une seule. Quand le test est faux, il va donc sauter ces deux lignes et passer ici. On a 1, on échange les registres x et y, à nouveau un test, et ici un double 0 qui signifie aller au pas 0, 0. Sinon, le programme s'arrête. Essayons de comprendre pas à pas ce qu'il va se passer. Donc imaginons que l'on commence avec 5. Entrée, donc ça va dupliquer le 5. 2 va remplacer le 5. Divisé, vous vous souvenez que le résultat est en Y, donc on aura 2,5 ici. Shift Up, c'est donc Entrée. Le 2,5 va se retrouver là-haut. 2, et le 2 va être dupliqué. Et en faisant Shift Down, le Z va aller en Y, mais il va également garder la valeur précédente. Donc on va avoir. 2,5, 2,5, 2. 6, multiplié, donc le résultat sera ici, 15. 1, additionné, on aura 16, 2,5 et 1. Donc l'idée est de faire à la fois la division par 2, donc 5 divisé par 2, et également 5 fois 3 plus 1. Donc voir les deux cas possibles. Pour choisir entre les deux, il va falloir regarder si la division tombe juste ou pas, donc si le nombre était pair ou impair. On est à cette ligne-là, Shift Down, 2,5, 2,5, 16. Roll Down va faire tourner les trois registres, 2,5, 2,5, 16. Le X repasse en Z. On prend la partie entière et on va regarder. Est-ce que cette partie entière est strictement plus petite que y Si c'est le cas, ça veut dire que la division ne tombait pas juste. 2 est bien strictement inférieur à 2,5, donc on va faire ce qui est là. C'est-à-dire roll up, donc on refait tourner cette fois-ci de bas en haut, donc le 16 se trouve là, le 2 ici et le 2,5 en Z. Et shift up va donc dupliquer le x et lui va se retrouver ici donc lui va disparaître ensuite on a 1 donc 1 16 2 on inverse x et y donc 1 et 16 et donc si x est plus grand que 1 on n'a pas terminé on refait un tour donc j'ai tapé le programme que j'envoie vers la machine je suis bien en mode run je refais un goto 00 J'appuie sur 5 et je vais lancer le programme pas à pas en appuyant sur la touche Z. Donc on a le 5 qui se duplique. Ensuite 2, la division. On remonte l'ensemble, donc on est ici. En redescendant, le 2,5 va se dupliquer. 6, la multiplication, donc on voit au niveau du Y. 1, plus... On descend l'ensemble, on fait tourner, on prend la partie entière. Est-ce que 2 est plus petit que 2,5 Oui. Donc, il va à nouveau faire tourner les 3. Entrée 16, 16, 2 et le 2,5 disparaît. 1. On inverse x et y. Donc, on est ici. Est-ce que x est plus grand que y Oui. Donc, il va retourner au pas 0. Au pas 0, on refait entrée. Donc on duplique le 16. 2 divisé. Entrée. Le 8 est dupliqué. On fait la multiplication par 6 plus 1. On descend l'ensemble. On fait tourner. On prend la partie entière. Et cette fois-ci, les deux sont identiques. Donc il ne va pas faire la partie qui est ici. Donc on va sauter directement à 1. On inverse x et y. Est-ce que x est plus grand que y Oui. Donc il retourne au pas 0 avec cette fois-ci le 8. Si on lance sans le faire pas à pas, par exemple avec 5, et continuer, forcément, le programme s'arrête avec 1. Dans une deuxième partie, nous verrons une version améliorée de Syracuse et comment utiliser la table traçante. A bientôt